Grazie a te. Sono, je suis vraiment très content d'être ici avec toi. Grazie per l'invito. Oucle de la lune, mon ami Diego, prête-moi ta plume pour écrire un mot. Ma chandelle est morte, je n'ai plus de feu. Ouvre-moi ta porte, où est l'amour de Dieu. Chanson française, populaire, hein? Je vous remercie d'ailleurs tous les deux de chanter en français. Il y a parfois une difficulté quand même, mais vous l'avez vraiment dressé cette difficulté. Alors, tout à l'heure, je disais, Melva, que on vous avait entendu dans Brecht. Il faudrait aussi rappeler que récemment, vous étiez à la Scala de Milan dans un opéra de Berlioz et que bientôt, on vous verra à l'opéra de Paris, enfin, on le dit en tout cas. Alors, c'est quand même un itinéraire très particulier. Oui, je sais. Mais je ne sais pas expliquer et... cette route qu'il va et qu'il tourne et qu'il part et qu'il retourne avec la chanson, avec le théâtre, avec beaucoup de choses. Comment s'appelle, comment il dit, la Scala est une expérience tellement excitante et terrible aussi pour la peur, pour l'émotion, pour l'élogioniste. Comment s'appelle l'élogioniste en français, je ne sais pas. Les spectateurs. Non, 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 pas dans la... Ce sont les gens, tu vois, mon grand-père était ça. Ce sont les gens qui sont assis... Ah, dans les... Juste au anneau, et qui sont ceux qui sont plus critiques. Ah, au poulailler. Oui, ceux qui vont détruire. Ah oui, d'accord. Ouais. Ou qui vont... Tu vois, oui, oui. Et dans l'opéra moderne, comme Berlioz, avec le texte, les paroles de... Il libro, il libretto si dice. Le livret. Oui, d'Italo Calvino. Enfin, c'est un problème de voix, quoi. C'est d'abord un problème de voix. Lorsqu'on a cette voix-là, on peut peut-être en faire profiter les autres, ce que vous faites. Mais je voudrais vous faire écouter quelque chose de très particulier, Milva. Je voudrais que, de là-haut, on nous envoie une musique. C'est un enregistrement qui date de quelques années. J'ai le disque qui est ici, un très très vieux disque. Je ne sais pas si c'était encore la Scala de Milan. Non, non. Non, c'était pas encore, mais en tout cas, c'est Angelo Branduardi. On peut entendre ? Bon, mais. Alors, c'est vrai. J'étais bien, hein. Vous aviez quel âge, Angelo ? 11 ans. 11 ans. Ouais. Et justement, tout à l'heure... Ouais. Non, pas d'enfant prodige, c'était une chose bien, j'étais assez bien techniquement, ça ne veut pas dire que j'étais un prodige du tout. Le disque est un peu vieux, mais c'est quand même un document. Hein. Oui, et alors c'est là que la route a été... Seulement pour se marrer, pour s'amuser, pas pour... Non, pour se marrer, c'est très bien. Ouais. Pour rigoler, oui, très bien.